Du yoga, oui, mais avec des chiots. Le 18 novembre dernier, le Monte Carlo Business Center accueillait une vingtaine de participants pour deux sessions de yoga, pas comme les autres. Au programme, des exercices, de la relaxation, mais aussi des séances de câlins avec sept petits bergers australiens. On prépare un petit peu les personnes à la détente, justement. Et au fur et à mesure de ces 20 minutes, les chiots viennent justement s'insérer dans la séance. Ça permet de commencer une dynamisation du groupe et en même temps le début de la sociabilisation des chiots avec aussi les êtres humains. Les effets ne sont donc pas seulement bénéfiques pour les humains. L'éleveuse de cette portée est très attentive au bien-être de ses petits. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'ils sont à une période où ils ont besoin de voir beaucoup de choses, de voir beaucoup de gens pour être des futurs chiots super sociables et bien dans leurs pattes. Donc même si ce n'est pas toujours facile pour eux en ce moment, c'est important qu'ils voient du monde. Entre deux séances, c'est l'heure de la sieste. Les chiots ne restent d'ailleurs pas trop longtemps au contact des participants pour pouvoir se reposer. Mais même s'ils sont courts, ces temps de câlins restent le moment phare des sessions. Ashley et Joël viennent tout droit de Nouvelle-Zélande. Tous deux sont ravis de l'expérience. It's definitely distracting, but in a good way. Good distraction. Yeah, good distraction. Makes you feel really good. Have a laugh and a smile on your face while you're doing it. It's really fun. C'est vrai que je voyais plein de vidéos justement sur TikTok, Instagram, avec les petits chiens. Ça donnait toujours envie. Et je me disais, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas trop de choses comme ça, encore moins ici. Mais c'est vrai que c'est sympa. Puis ça apaise. Alors, quel moment vous avez préféré dans la séance ? Quand les chiots sont arrivés, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'ils étaient un peu fatigués, mais c'est bien de pouvoir allier les deux, le yoga avec les chiots qui viennent un petit peu, qui s'approchent. Je trouve ça vraiment sympa. Derrière ces séances inédites, Clara Rosso, directrice de la branche événementielle du Monte Carlo Business Center, Monte Carlo Events. C'est elle qui a contacté Positive Yoga, une entreprise parisienne qui organise des sessions dans toute la France et qui est venue pour la première fois à Monaco. C'est un concept qui vient tout droit des États-Unis. Ça s'est développé en France, dans les grandes villes. Et il y a eu un engouement tel qu'on s'est dit pourquoi pas le faire sur Monaco. Il y a eu tout de suite un succès. On nous a appelé pour vite réserver les places. Donc on est ravis. Et on a des clientes, le sourire aux lèvres. Des clientes et des clients. Après l'effort, le réconfort, les participants ont droit à un petit déjeuner gourmand et healthy. On a voulu organiser un petit déjeuner à la fin de la séance, un moment de convivial et de networking entre nos clients et les amis de nos clients. Clara Rosso souhaiterait réitérer l'opération à l'avenir. En attendant, Positive Yoga organise régulièrement des sessions à Nice avec différentes races de chiots.